Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 2 novembre. Consoler ou critiquer? Lisons Job 4, verset 7. Job 4, le verset 7. Cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Les amis de Job, acteurs de soutien dans ce récit, offrent une perspective de nous-mêmes souvent oubliés, ou plutôt que nous choisissons d'oublier parce que nous nous focalisons trop sur Job. Au début, ils semblent être de parfaits amis. Ils se précipitent vers lui pour pleurer avec lui et l'aider à trouver un sens à cette tragédie. Job 2, les versets 11 à 13. Même s'ils ne font que s'asseoir en silence pendant toute une semaine, ils sont là quand Job a le plus besoin d'eux. Parfois, le silence suffit pour sentir que les autres partagent notre fardeau. Mais leur rôle ne s'arrête pas là. Non, ils ouvrent la bouche et mettent au grand jour un esprit de critique universel. Comme Eliphaz qui dit à Job qu'il devait avoir fait quelque chose de mal pour mériter de perdre tout ce qu'il aimait. Job 4, verset 7, nous exprimons nous aussi des pensées blessantes plutôt que consolantes. Au lieu d'encourager nos amis lorsqu'ils ont le plus besoin de consolation, nous les décourageons en jugeant leur souffrance d'après la seule explication que nous puissions trouver, le péché. Nous n'avons même pas le droit de les juger, cependant, c'est exactement ce que nous faisons. Nous ressemblons plus à Eliphaz que nous ne voulons bien l'admettre, mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec l'aide de Dieu, nous pouvons lutter contre cette affreuse ressemblance. Il faut, premièrement, reconnaître que nous avons un problème. Comment peut-on demander à Dieu de réparer quelque chose dont on est totalement inconscient? Comme David, qui demandait constamment à Dieu de pardonner ses erreurs, nous devons nous aussi mettre de côté notre orgueil et accepter la réalité que notre langue prompte à critiquer a besoin de réforme. Deuxièmement, prier pour nous débarrasser de la critique. Prions pour ça tous les jours. On ne peut se débarrasser de ce défaut en 24 heures. Demandons à Dieu de faire de nous de véritables consolateurs. Si nous sentons que nous avons des paroles de critique sur le bout de la langue, alors demandons-lui de les changer avant qu'elles ne sortent de notre bouche. Laissons à Dieu le soin de juger et bornons-nous à agir simplement en amis. Troisièmement, cherchez à mieux connaître Dieu. Nos pensées enrobées de critiques tirent leur origine de monde coupable. Cependant, si nous passons du temps avec Dieu chaque jour, nous commencerons à ressembler à l'ami et au consolateur qu'il était pour tous ceux qu'il rencontrait. Si nous lui parlons, si nous l'écoutons nous parler par sa parole et si nous nous imprégnons de sa sagesse et de sa personnalité, alors peut-être, juste peut-être, pourrons-nous troquer nos critiques contre des paroles de consolation. Remue-ménage, si vous aviez écouté le monologue de Job au chapitre 3, auriez-vous répondu comme Eliphaz au chapitre 4? Si oui, pourquoi? Sinon, qu'auriez-vous dit? Jetez un coup d'œil sur votre propre vie. Vous est-il arrivé de désirer n'avoir jamais critiqué quelqu'un? Si vous pouviez revenir en arrière et revivre ces épisodes, quelles paroles prononceriez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage.